morale. Je lis où j'ai mal et ce que je ressens. Je lis les phrases suivantes, puis je les dis comme si le docteur était en face de moi. On dit j'ai très mal à la tête. J'ai très mal à la tête. J'ai chaud et j'ai des frissons. Je crois que j'ai de la fièvre. J'ai chaud et j'ai des frissons. Je crois que j'ai de la fièvre. Je ressens une douleur derrière la cuisse droite. Je ressens une douleur derrière la cuisse droite. Ma blessure pousse et est vraiment douloureuse. Ma dent carriée me fait affreusement mal. Je me suis tordu la cheville gauche. Je répète. Alors, imitez-moi, s'il vous plaît. J'ai très mal à la tête. J'ai vraiment très mal à la tête. J'ai chaud et j'ai des frissons. Je crois que j'ai de la fièvre. Je ressens une douleur derrière la cuisse droite. Ma blessure au pouce est vraiment douloureuse. Ma dent carriée me fait affreusement mal. Je me suis tordu la cheville gauche. Alors ici, imaginez ce qu'a dit chaque enfant au docteur avant que ce dernier le soigne. Et toi, de la liste des mots suivants. Pour la ventre, pour la ventre. Poignée, voilà. Carie, oreille, douleur, estomac, main, molaire, tampon, voilà. Souffrir. Par exemple, cette fille. Oh, j'ai très mal aux oreilles. J'ai très mal aux oreilles. Alors ici, je ressens une douleur dans le ventre. Alors ici, j'ai mal aux dents. Je souffre. Ma dent carriée me fait affreusement mal. Poignée. Ma blessure au poignet est vraiment douloureuse. Alors ici, la fille souffre. Elle a mal aux oreilles. Ce garçon a mal au ventre. Alors ce garçon va chez le dentiste pour soigner ses dents. Il a une dent carriée. Elle lui fait affreusement mal. Alors ce garçon a tordu la main. Elle a des douleurs. Il a vraiment une douleur affreuse. Alors il va chez le kinésithérapeute. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance était bénéfique pour tout le monde. Alors, rendez-vous donc pour la prochaine vidéo, toujours avec l'oral, la parole, d'après le livre, l'arbre mou. Au revoir et à la prochaine.